un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie. Où tout nous semble permis quand on monte au chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Allons, Armstrong! Oui, 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 oui! Dans l'épisode d'aujourd'hui, les voilà! Horseland accueille deux poulains qui vont déclencher bien des jalousies. Oui, montrez aux grands comment il faut faire. Rejetés par les autres chevaux, les deux jeunes vont fuir le ranch. Maman me manque. Allez, dépêchez-vous. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oh, je me demande ce qu'il se passe. J'ai les couvertures. Et moi le foin. Quel remue-ménage! C'est un lourd si bizarre. Scoop, Carlotta, pourquoi tout le monde s'active autant? Parce qu'on doit accueillir deux nouveaux chevaux. Deux nouveaux? Chic, chic, plus on est de vous. Moi, on rit. Il y a assez de chevaux qui piétinent mes plates-bandes au ranch. Ce n'est pas toujours facile d'accepter de nouveaux pensionnaires, mais j'espère que tous nous leur ferons bon accueil. Oui, on essaiera. Je vais avoir de nouveaux copains, youpi! Ça sera amusant d'avoir ces deux jeunes poulains en pension. On nous les confie parce que leur mère est malade, mais je sens qu'ils se plairont avec nous. Je n'ai jamais eu à m'occuper d'un poulain, encore moins de deux. J'ai un peu aidé mes parents quand ma petite sœur est née, mais ils faisaient toujours le plus dur. Prendre soin d'un poulain, c'est beaucoup de travail. Avec des jumeaux, ça nous en fera le double. Peu importe, j'ai hâte qu'ils soient là. Ils vont se sentir perdus. C'est dur de se retrouver avec des inconnus, loin de sa mère, même pour peu de temps. Espérons qu'ils se tiendront bien. Ils ont tout juste quelques mois. Et je ne veux pas jouer les gardes d'enfants. Les voilà! Viens, Scarlett, il faut qu'on les accueille comme il se doit. Coucou Neige, coucou Flocon. C'est ici votre nouvelle maison. Oh. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de plus adorable? Il faut les conduire à l'écurie. Laisse, je m'en charge. Non, je m'en occupe. Je peux le faire. Mais moi aussi. Choisis-moi. Non, je vais m'en occuper. Ne faites pas attention à eux. Ils ne sont pas méchants. Nous allons vous montrer votre box. Je les mettrai en confiance. Moins que moi. Mais où sont-ils? Je crois qu'on sera bien ici. Pas toi, Flocon? Ils apprécient notre écurie. Avec ces couvertures, ils seront bien au chaud cette nuit. Hé, ce sont mes couvertures. Tu ne t'en sers pas, tu peux les prêter pour une nuit. Oui, je peux. Une nuit, ce n'est rien. Bonne nuit, les petits. Demain, vous découvrirez tout ce qu'il y a à Horseland. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit, Neige. Bonne nuit, Flocon. D'habitude, il me tapote le museau le soir. Avec tout ce remue-ménage, il a oublié. Sois tranquille, demain tout sera comme avant. Cette chose, elle est toujours là. Elle est là et elle nous surveille. Oui, elle nous regarde fixement. J'ai peur. Maman! Ce n'est pas fini, ce chahut à côté. Pardon, monsieur. Ne sois pas aussi dur avec eux. Ils n'ont pas l'habitude d'être séparés de leur mère. Est-ce une raison pour réveiller tout le monde? Ça va, les enfants? Non, on a peur. Oui, très peur. Mais qu'est-ce qui vous effraie autant? C'est cette chose qui nous regarde. Où ça? Dehors. Ça? Mais c'est la lune. Ma mère disait qu'un vieux cheval rempli de sagesse vivait là-haut. Parfois, on aperçoit sa tête. Oh, je la vois! Oui, moi aussi. Ma maman disait qu'il était là-haut pour veiller sur les poulains, les protéger quand ils s'endorment.
Tu as vu? Ils sont forts. C'est ce que je veux faire quand je serai grande. Bravo! Tu t'en sors aussi bien qu'un cheval de concours. Tu devrais essayer, c'est drôle. Marie, viens voir! Viens vite, regarde les petits chevaux! Incroyable! Venez vite, il ne faut pas que vous ratiez ça! Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de plus adorable? Ils sont tout fiers d'eux, ces petits coquins. C'est ça, oui! Montrez aux grands comment il faut faire! Et maintenant, ils nous narguent. Pas du tout, ils cherchent seulement à nous imiter. C'est touchant. Tu es plus grand, toi! Oh, Lisa! Et tu es bien sage. Lisa! C'est dangereux de s'approcher aussi près des chevaux. Même s'ils sont gentils, il y a quelquefois des accidents. Alors viens. Quoi? On n'a jamais blessé personne. Ce qu'il te faut, ce sont des poulains. C'est moins risqué. Oh. Oh. Regarde comme ils sont mignons. J'ai l'impression que nous ne les intéressons plus. Non, ce n'est pas ce que tu crois. On s'occupe toujours plus des petits. Ils réclament plus d'attention. Il n'y en a plus que pour eux. Je suis de l'avis d'Apache. Les choses ont bien changé. Oh! C'est l'heure de la promenade du matin. Bonjour les tout petits. Vous avez bien dormi, j'espère. Tu as sorti quelque chose de bon, hein? Vous aimez les carottes? Bon, soyez sages pendant qu'on promène les plus grands. Je reviendrai vous voir après. Oui, vous êtes de braves petits. Bonjour, Calypso. Viens, je te selle. Oh, je suis désolée, Calypso. J'ai donné tes carottes à Neige et Flocon. Demain, tu auras double ration, c'est promis. Mais à quoi joues-tu? Qu'est-ce que tu fais? Scarlett est déjà scellée. J'ai du mal. Calypso ne veut pas se laisser faire. Je te le dis, tu es plus butée que Lisa. Ah, la voilà. Ça a été long. Désolée, Calypso m'a donné du fil à retordre aujourd'hui. Oh, ne fais pas ta tête de mule! Allez! Oh, quel cirque! Qu'est-ce que tu as ce matin? Calypso, arrête, tu veux? Arrête, ce n'est pas amusant. Oh! Oh! Calypso. Non, elle fait juste sa mauvaise tête. Ne l'encourage pas. Tu n'as pas fini? Arrête de jouer les gros bébés. Je croyais qu'elle trouverait ça adorable.
voilà votre eau. Doucement, stop. Pas de bousculade, voyons. Il y en a assez pour vous deux. Vous voyez ce qui arrive quand on boit trop vite. Mais ce n'est pas une catastrophe de renverser de l'eau. Ces deux jeunes sont de vrais pitres. Oh non, Apache! Il y a de l'eau partout! Je vais devoir tout nettoyer! Ce n'était vraiment pas drôle! Ça l'avait fait rire qu'ils renversent leur seau, eux! C'est vrai, mais ce serait injuste d'en vouloir à ces poulains. Je sais, ces deux-là, tout le monde les aime. Basile tient toujours à toi, voyons. Tu seras toujours son préféré. Oui, peut-être. Mais en ce moment, ces deux petits monstres l'intéressent plus que moi. Je veux rentrer à la maison. Ici, les grands ne veulent pas de nous. Oui, pourtant, quand je les ai vus parader, j'aurais tellement voulu être comme eux. Vous n'allez pas encore nous empêcher de dormir toute la nuit. Non, pardon. Nous ne ferons pas de bruit, promis. Tant mieux. Maman me manque beaucoup. À moi aussi. Il faudrait qu'on rentre. Oh, tu crois? J'en suis certaine. Viens, suis-moi. Mais comment as-tu ouvert? J'ai vu comment Scarlett s'y prenait hier, quand elle est venue nous rassurer. En route, allons-nous-en. Mais pas de bruit. C'est de quel côté, chez nous? C'est par là, je crois. Il faut partir vers ces collines. J'espère qu'aujourd'hui, les chevaux seront de meilleure humeur. Hier, on ne pouvait rien en faire. Oh, regarde! Le box des poulains est ouvert! Ils se sont sauvés! Il faut prévenir Basile! Moi, je dis bon débarras! Nos maîtres ne s'occupaient plus que d'eux. Tu ne te rends pas compte que c'est grave? Neige et Flocon ne sont que des poulains! Ils sont trop jeunes pour qu'on les laisse tout seuls! Il faut les retrouver! Que se passe-t-il, Scoop? Tu as l'air inquiet! Les poulains se sont sauvés. Va voir s'ils sont dans le pré. Moi, je fouille le paddock. On a cherché partout, aucune trace des petits. Neige m'a vu ouvrir mon box le soir de son arrivée. Crois-tu qu'un jeune puisse apprendre aussi vite? On retient facilement les choses à leur âge. En plus, ces deux-là sont malins. Oui, ils ont vite appris les pas de base quand ils nous ont vus au cours de dressage. Je sais comment retrouver Neige et Flocon. J'avais enveloppé les poulains dedans la première nuit. Ça s'est imprégné de leur odeur. Allez, Scoop, viens renifler ça. Tu as repéré l'odeur? Allez, cherche, mon beau, cherche. Je crois qu'on est perdu. Je le savais, on n'aurait pas dû se sauver du ranch. Moi, je n'y retournerai pas. Les autres chevaux ne nous aiment pas. Je veux retrouver maman. Mais on ne connaît même pas le chemin. Si. Moi, je dis que c'est par là. Oh, je les ai perdus. Tourne en rond depuis 5 minutes. La piste est peut-être moins nette par ici. Mais je cherche, je cherche. Il faut les retrouver avant la nuit. Ils doivent se sentir seuls et perdus.
Ils ont sûrement peur. Tout est notre faute, Apache. Nous aurions dû mieux les accueillir. Je n'aime pas ce chemin. Pas question de faire demi-tour. Tu es sûre que c'est la bonne route? En fait, non. Tu penses qu'ils sont partis par là? Oui, je les entends. Alors, dis-moi, que fait-on maintenant? Tu te rappelles ce que Scarlett a dit? Il y a un vieux cheval plein de sagesse là-haut qui veille sur nous. Il nous aidera à trouver notre route. Je suis fatiguée, Neige. On peut s'arrêter et se reposer? Impossible de continuer. Nous devons faire demi-tour. Non, pas question de rentrer sans Neige et Flocon. Ils ne sont pas ici. Ils ont dû trouver un passage avant ce cul-de-sac. Cherchons-le. Moi, je sais où ils sont partis. Alors dis-le-nous. À la recherche de la Lune. À la recherche de quoi? C'est ridicule, pourquoi faire? Ils cherchent un endroit où ils ne craindront rien. Tu crois? Ils n'avaient rien à craindre au ranch. Mais ils sentaient sûrement qu'Apache et toi, vous n'étiez pas contents qu'ils soient là. C'est pour ça qu'ils se sont enfuis. Je ne voulais pas les chasser. Je voulais seulement qu'on s'occupe moins d'eux. Tu n'étais pas gentille avec eux. Ils ont cru que personne ne les aimait. Alors ils ont fui le ranch. Les pauvres, il faut que nous les retrouvions. Je crois qu'ils ont dû monter sur ces collines. Ah, je les vois. Ce sont eux. Regardez là-haut. Il y a un chemin de l'autre côté du canyon. C'est par là qu'ils sont passés. Heureuse que vous n'ayez rien. On était inquiets. On vous a cherché. On laisse les chevaux se reposer et on les ramène. Où souhaitiez-vous vous rendre? Chez nous, près de notre maman. On pensait que vous ne vouliez pas de nous au ranch. On était contents de vous avoir. C'est seulement que... Nos maîtres ne s'occupaient plus que de vous. Et du coup, moi, j'ai été jaloux. J'ai cru que Basile ne tenait plus à moi à cause de vous deux. Mais vous n'y étiez pour rien. Marie disait qu'elle avait peur que ses parents l'oublient quand Lisa est née. Mais maintenant, elle est contente d'avoir une petite sœur. J'aurais dû m'en souvenir. J'aurais compris que j'avais tort de m'inquiéter parce que notre famille s'agrandissait. Oui, nous formons tous une grande famille. Et vous en êtes les nouveaux membres. Alors vous rentrez avec nous? Oui. D'accord. Regardez comme ils sont mignons. Alors, on les ramène? Direction Horseland. Au revoir, Neige. Au revoir, Flocon. Bon retour auprès de votre maman. Au revoir. Et peut-être à bientôt. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Faites bon voyage. Soyez sages. N'essayez pas de vous enfuir en cours de route. C'est un adieu en fanfare qu'ils leur font. Comme nous, ils vont s'ennuyer de ces deux petits coquins. Et maintenant, nous allons retrouver notre train-train habituel. Mais ces petits me manqueront un peu. Nous nous y sommes tous attachés, hein? Ah, c'est vrai. Que dirais-tu d'une bonne séance de bouchonnage, Calypso? Et toi, ça te tente aussi? Tout le monde à l'écurie alors. J'ai apporté des carottes pour tous les amateurs.
Oh, je suis contente qu'ils aient tous fini par adopter Neige et Flocon. Ce n'est pas toujours facile d'accueillir des nouveaux dans sa famille. Mais maintenant, tout le monde a trouvé sa place. Oui, parce que l'amour a une faculté étrange. Il ne se divise pas, il se multiplie.